Hello tout le monde et bienvenue sur Blendo pour un tout nouveau encore tuto ou plutôt review. Je mets dans la catégorie tuto sur Elite Dangerous, donc c'est le 9, 10e peut-être. Peut-être le 10e, ouais, c'est le 10e. Donc sur le Vulture. Oui, enfin je vous le présente, ce vaisseau qui est un gouffre financier, mais qui s'avère être le chasseur le plus performant du marché. Rien que cela. Voici la bête. Je vous montre tout en détail. En vrai, il est bleu, mais comme vous voyez, j'ai donc comme pareil que sur le Cobra MK4 que j'avais présenté, j'ai mis le skin de peinture Black Friday. Alors, vous pouvez voir tout. Je vous montre tout bien les détails de ce magnifique vaisseau. Donc, je l'ai pas encore fini de le fitter au maximum, ce vaisseau. Et Dieu sait qu'il est efficace. Je viens donc de finir une session avec Erwan de chasse à prime. Je suis revenu. J'ai passé 30 bonnes minutes, ouais. 30 bonnes minutes. Et j'ai réussi à me faire pratiquement 3 millions. Donc c'est la jouissance. Ce vaisseau est hyper beau dans le cockpit. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et il a des performances de ouf. Donc là, hop, Vulture. Un chasseur hors pair. Ils ont totalement raison. Une grosse vitesse. Là, vous voyez que j'en ai perdu par rapport aux Vultures que j'ai. Parce que je l'ai solidement armé. Et donc bon, du coup il perd un peu de vitesse et tout ça, mais il a une bonne stat en vitesse, il a surtout une grosse maniabilité. C'est ça qui fait toute la différence sur ce vaisseau, c'est sa maniabilité qui est de 9 sur 10. 9 sur 10. Un saut dégueulasse, bouclier et blindage. Au top 300, pratiquement 300, imaginez, de base. De base, vous avez même pas besoin de changer. Là moi j'ai changé déjà. Donc imaginez, je me suis, bah, j'explose tout. Une masse de code raisonnable, une capacité de tout cœur qu'ils ont, bon, ça, on s'en branle, hein, c'est un chasseur. Hein. C'est déjà bien qu'il ait au moins 8 tonnes de base. Des supports utilitaires, 4, très 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 bien. Et un gros, deux grands points d'emport, les canons qu'il a. Et puis des compartiments, par contre là il est un peu léger je trouve. Ils auraient pu mettre quand même plus. Donc voilà, les canons. Damn. Damn. Les deux canons sur les côtés, ces canons laser, grand point d'emport, les mecs, ça tape, ça chatouille. Un lanceur paillettes, un détecteur d'avis de recherche et deux survoltages de classe A, de survoltage de bouclier. Donc composite militaire, générateur de classe A. Là, j'ai pas encore modifié survie non plus. Par contre, j'ai mis un meilleur répartiteur de puissance et j'ai pas mis full full le bouclier. Mais déjà, avant que. Franchement, je vous dis honnêtement, un python vétéran face à moi, j'en ai fait 3-4, il me semble. Ils ne m'ont même pas enlevé mon bouclier. Je suis revenu, j'avais 95%, je crois, mais parce que je m'étais pris un astéroïde dans la gueule. Sinon, j'aurais eu aucun dommage. C'est déjà avec ça et avec ces survoltages de bouclier-là. En sachant que moi, franchement, j'aurais viré le lanceur de paillettes si j'avais ici, parce que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, de retour, et si j'avais pas un dissipateur thermique, après j'aurais mis des réserves de cellules d'énergie pour plus vite recharger mon bouclier, et j'aurais été invincible. Invincible. Donc voilà, donc j'ai pas mis de trucs en plus, en vrai il aurait besoin, mais bon, mon compte en banque a pris super cher. Parce que le vaisseau là, en vrai, 19 millions. Ah, je dis ça, je dis rien. Là, juste avec le fit, et je suis pas au max, hein, parce que 3 millions pratiquement le canon. C'est pas. Donc, on va aller faire un petit tour vite fait dehors, comme d'habitude. Vous savez bien que j'aime bien faire des petits tours dehors. Alors les thrusters sont plutôt bien de base quand même. Il a de bons thrusters. Non, par contre, on range pas.
Alors, on va enlever. Foufou. Magnifique. Et vous allez voir maintenant, dès qu'il aura, ça sera calmé au niveau du moteur. Attention. Regardez-moi ça. Allez, on va même booster un peu. Les tours qu'on fait. Alors imaginez, quand vous êtes en combat, vous êtes comme ça, et là tout d'un coup, ennemi derrière vous, on met la marche arrière. Terme, marche avant. Ce vaisseau et ça se voit vraiment qu'il est fait pour le combat. Il est où? Station 4. Ok, très bien. Pratiquement là où je suis parti. Alors l'inertie, vous voyez, est beaucoup moins forte que sur le Viper et le Cobra. Ce qui est plutôt un bon point pour ce vaisseau. Hop. Et voilà. Donc, je vous laisse là-dessus, sur ce magnifique visuel de vaisseau. Magnifique. Ce vaisseau, c'est juste, voilà, c'est le roi de la chasse à prime. Vous trouverez, bah si, il y a mieux, hein, par exemple, vous fitez un fond, un Fédéral Corvette, un cutter, ces trucs-là, voilà. Mais bon, par rapport à la... On colle au cul vraiment des gros vaisseaux, donc ce qui le rend pratiquement invincible. Bon, dommage que son nom soit Jutur, qui soit au final, voilà, un nom d'un... Vous savez, des charognards, là, qui sont pas... Ouais, c'est pas le nom le plus swag au monde, quoi, mais bon... C'est comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre de retour un pouce bleu comme d'habitude, un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.